Les vents ont soufflé pas mal toute la nuit. Présentement, dans la voiture, ça me dit qu'il fait un gros 5 degrés. Avec les vents, on doit ressentir au moins 0, si c'est pas moins 2 degrés. Donc, on va commencer nos recherches à l'endroit où on les a laissés hier soir. On a déjà croisé nos premiers orignaux, probablement la femelle avec son veau d'hier soir. Et là, vous voyez un peu les couleurs. Ça devrait être beau. On va espérer les trouver. Mais si on se fie à l'année passée, il était dans un rayon de peut-être 2 km de l'endroit où on les avait trouvés la veille. Donc, puis ici, s'ils sont sur le plateau, ça devrait quand même être plus facile à repérer. J'ai quand même bon espoir qu'on va les retrouver avant le lever de soleil. De les retrouver exactement à l'endroit où on les a laissés avant qu'ils descendent sur le bord de l'eau hier. Donc c'est top. Yes. Il y a quand même un bon 3 km de marche pour s'en rendre, mais c'est top. Bien content d'être là. Donc là, le soleil est en train de se lever, les couleurs sont magnifiques et on est capable d'avoir les caribous avec le soleil derrière, avec les couleurs derrière, donc c'est super top. On a revu deux orignaux au loin qui s'en allaient, mais bref, c'est un truc de fou. Les contre-jours qu'on va pouvoir faire là sont tout simplement malades.
Les vents ont soufflé vraiment toute la matinée à plus de 40 km/h. La fatigue se faisait bien ressentir vu les deux dernières nuits qu'on avait passées. Les caribous nous ont offert de magnifiques scènes avec le lever de soleil derrière eux. Le grand mâle, toujours soucieux de bien défendre son territoire contre les jeunes mâles, s'est bien activé lors de cette matinée. J'avais opté pour le 180-400 mm ainsi que le 200 mm pour cette matinée. Le 180-400 mm me donne la flexibilité de pouvoir prendre des photographies en gros plan puis en plan un peu plus large, et le 200 mm m'offre une profondeur de champ très faible qui me permet de bien isoler mon sujet. Ce sont mes deux objectifs de prédilection pour la photographie animalière. Les deux sont très nets, ont des relativement grandes ouvertures, ce qui me permet de laisser entrer beaucoup de lumière et de baisser mes ISO pour avoir une vitesse assez rapide pour bien figer le mouvement. Là, les caribous sont couchés pour faire une petite sieste. La lumière, le soleil commence à être assez haut dans le ciel et tout ça, donc c'est un petit peu moins intéressant, mais vraiment une matinée de fou raide. Ça a été complètement malade. Je tiens à remercier mes partenaires Laure Photo ainsi que tous mes membres Patreon. Si de la formation sur la photographie animalière et de paysage vous intéresse, je vous invite à aller visiter ma page Patreon. Ça m'encourage beaucoup et ça m'aide à vous présenter les vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube. Et parlant de chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer j'aime et à commenter. C'est toujours extrêmement apprécié. Et nous, on se voit dans la prochaine portion de ce périple à Terre-Neuve. Ciao tout le monde!